on va vous faire sortir. T'inquiète pas. Et qui chuchote, et quand elle se lève, elle te met une gifle, elle fait. Et elle s'en va. Moi, je lui crache dessus. Tu craches par terre, et au moment où tu craches vers la femme, du coup, il y en a un qui arrive et qui te met un coup de crosse. Ça te. Pas trop fort non plus, mais ça te t'ouvre un peu l'arcade, mais tu saignes pas trop. Ouais. C'est juste une piqûre de rappel. Quand t'as Charles, du coup, il te met devant la porte et il te dit, tu vois, ça va être tes nouveaux amis bientôt, hein? J'aimerais éviter, si possible. Hein? Non. Si. Non. T'as l'air délicieux. Vous avez l'air meilleur que moi. Et tu vois qu'il te lèche la joue. Et c'est ultra gênant. Mais c'est un tracassé. Vraiment. Pauvre malade. Donc, tu essaies de t'enlever les liens jusqu'au moment où, en fait, tu y arrives, au niveau des mains. Et tu gardes les cordes dans la main, comme si t'étais attaché. Mais en fait, t'es détaché au niveau des mains. Par contre, au niveau des pieds, tu t'enlèveras pas. À moins que tu te baisses, tu t'enlèveras pas. Ouais, ce serait trop visible. Ce serait cramé. Je suis juste à côté de John ou pas? T'es juste à côté, ouais. Est-ce que j'ai moyen d'essayer de le détacher au niveau des mains sans que les autres s'en rendent compte? Non. Parce qu'il y en a un qui vous garde en permanence en visu. Sauf que vu que toi, tu bouges tes mains, en fait, de façon à essayer de te les enlever, mais il pense juste que t'es en train de t'étirer ou des trucs comme ça, parce que tu bouges les doigts, voilà. Okay. Mais il a pas vu que tu l'avais enlevé, en fait. Moi, est-ce que je l'ai vu qu'il a enlevé les bras? Toi, les non. Mains. C'est, toi, t'es trop focus sur le gars qui vient de te mettre un coup de crosse. T'as la haine. D'accord. Vous savez que là, si vous ouvrez la porte, vous aurez même pas le temps de me jeter dehors, qu'il y aura les quatre créatures qui seront dans la salle qui vous auront tous buté. Hein. Non, on va pas ouvrir la porte. C'était juste pour que tu vois tes nouveaux amis. Et vous voyez qu'il le lève de la chaise. Il le ramène vers vous. Et il te regarde. Mike, il te regarde dans les yeux. Et il te dit, au final, ce sera toi. Il te repose, Charles. Et toi, il t'attrape. Il t'attrape par le col. Ils ouvrent une porte, plus loin. Et ils te jettent derrière. La porte se ferme. Et en te relevant, tu vois qu'ils te regardent comme un taré. Tu es derrière cette porte. Il n'y a pas de lumière. Mais quand t'as atterri au sol, c'est visqueux. Je me jette sur mes pieds pour défaire les cordes. Tu les défais. Sans trop de problèmes. C'est pas vraiment des gros nœuds. Tu enlèves les cordes. Et tu vois que dans la porte où il t'a ouvert, il y a une espèce de. Comme une boîte aux lettres, en fait, une petite trappe. Il te jette une lampe et il fait vas-y, va voir. Là-bas. Est-ce que je sais à peu près où je suis ou pas? Pas du tout. Tu allumes la lampe et tu vois que les murs sont recouverts d'une espèce de pétrole, de gélatine noirâtre qui bouge. Ça a l'air organique, mais ça a pas l'air. De t'attaquer ou quoi, juste tu marches dessus. Ça recouvre les murs et le sol. Ça t'empêche pas forcément de bouger, sauf si vraiment tu te prends les pieds dedans, mais faut le faire exprès, quoi. Mais sinon, ça va. Ok, il veut que j'aille voir au bout. Et il n'y a pas d'autre chemin. Juste, tu es dans une salle. T'as des couloirs, mais ces couloirs, ils sont obstrués par cette espèce de liquide, enfin, cette espèce de matière visqueuse. Ok. Et t'es dans une salle. Tu continues le seul chemin praticable. Ça fait bien bon 3 minutes que tu marches. Quand tout d'un coup, tu tombes sur une grande salle où il y a des gens qui sont collés au mur dans cette substance visqueuse avec le thorax explosé. Et au milieu de la salle, tu as, on dirait, des œufs. Des œufs englués dans cette substance noire. Il y en a deux qui sont ouverts et il y en a un troisième qui est fermé. C'est une ouverture en étoile en haut. Y a que ça? Y a que ça. C'est éclairé par un vieux spot qui marche encore, mais c'est tout. Ok. Les gens sur les murs, ils ont l'air d'avoir des trucs qui pourraient me servir, accrochés à leur ceinture ou je sais pas, une connerie du genre. Tu vois que tu fais le tour à peu près de la salle en essayant d'esquiver cet œuf au milieu, en longeant un peu les murs, et tu remarques qu'il y en a un qui a comme un opinel. Petit couteau. Je vais le récupérer dans le doute. Je suis pas sûr que ça me serve vraiment, mais bon. Tu le prends. Y a pas trop de choix. D'accord. Et après, le reste, ils ont des trucs inutiles, des porte-clés, des portefeuilles. L'œuf au milieu de la salle, il fait à peu près quelle taille? Il fait la taille de ta jambe, en hauteur. Ouais, donc mon opinel, ça permettrait pas de traverser et l'œuf et le truc à l'intérieur. Tu connais pas l'épaisseur?
Mais de ce que tu vois des œufs qui sont ouverts, c'est quand même assez épais. Mais si tu veux tuer ce qu'il y a dedans et l'œuf en même temps, non, tu pourras pas. Il faudrait que l'œuf s'ouvre et que tu tues ce qu'il y a dedans quand l'œuf s'ouvre. Ben, je vais faire ça. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire dans la pièce. J'ai aucune échappatoire. Je suis enfermé avec là, l'œuf qui va bientôt éclore. J'attends qu'il s'ouvre et au moment où je vois qu'il commence à s'ouvrir, je me jette dessus et j'essaie de planter de manière frénétique en fait. D'accord. Tu t'approches de l'œuf et à 2 mètres à peu près, tu vois l'œuf qui commence à s'ouvrir petit à petit et rien n'en sort. Je me jette dessus quand même. Si je vois qu'il commence à s'ouvrir dans une fente, c'est, je vais... Tu me fais un jet. 64. T'approches de l'œuf et au moment où tu t'approches assez, à peu près à 1 mètre, il y a la même créature qu'il y avait sur le visage de Joe qui te saute dessus. Tu arrives à la planter. Elle t'a touché le visage quand même. T'as senti quelque chose au niveau de ta bouche, comme si elle se greffait sur ta bouche. Et tu la plantes, en fait. Quitte à te planter le visage, tu t'en fiches. Tu la plantes et elle meurt. Elle se décroche instantanément de ton visage. Tu as avalé quelque chose, mais pour toi, c'est du sang ou de la salive. Parce que c'était pas assez gros pour être quelque chose, en tout cas. Ou c'est bizarre si c'est gros. Mm. C'est tout. Tu le tues, tu le lâches. Tu enlèves ton couteau et tu vois que ton couteau, ta lame a fondu. Qu'elle est en train d'être en ébullition, comme quand tu mets dans de l'acide. Tu repars. Et je le lâche, le couteau. Je garde pas, oui, ça. Tu repars. Est-ce que tu prends le cadavre de la créature avec toi? Ouais, bah, je sais pas si c'est ça qu'ils attendaient de moi, j'en sais rien. D'accord. Tu repars. Sans encombre. Tu reviens à la porte et tu vois que le gars qui t'a jeté dedans, il a pas bougé. Ça fait 20 minutes que t'es là, ça fait 20 minutes qu'il a pas bougé. Et je balance le cadavre à la vitre. Tu le jettes. Tu vois que quand ça touche, ça commence à faire des petites bulles. Et en fait, l'acide, il est en train de bouffer l'espèce de plexi et le métal, en fait. Le gars, il t'ouvre et il fait « Ça devait pas se passer comme ça, mais c'est le jeu. J'ai perdu. » Il s'est rentré et il voit que t'as des griffures au niveau des lèvres. Il fait « On s'en verra. » Il te laisse rentrer. Il t'attache plus. Il est plus agressif avec toi. Et il te laisse aller voir tes amis. Enfin, tes collègues. C'est bon, on peut nous détacher, nous aussi, là. Mais il faut que vous fassiez comme lui, hein. Hein. Mais sauf si... Il te regarde. Sauf si quoi? Mike, il te regarde dans les yeux. Et il te dit, tu l'as vu? Hein? De quoi? Ce qu'il y avait dans l'œuf, tu l'as vu? Oui. Quoi? D'accord. Il te regarde et il détache les deux autres. Et vous pouvez y aller. De toute façon, je sais très bien que c'est faux pour le vaisseau. Hein? Il n'y a plus rien qui marche ici. Oui. Vous pouvez y aller. Les gens, ils vous regardent, mais tellement mal. Et vous voyez qu'il fait... De toute façon, tu te moquais de moi tout à l'heure. Hein? Et ils ne vous rendent pas vos armes. Ils te donnent juste la petite bonbonne à moins de, aux trois quarts vide. Ils te la donnent. Et il fait... Bonne chance avec ça. Hein? Ah bah, c'est super. Il vous pousse dans une salle, une autre salle. Et il ferme la porte. On court. Attends, rassure-moi. C'est quoi qui s'est passé? T'as vu quoi là-dedans? Dis pas que tu t'es fait avoir par le truc à la tête, là. Hein. Non, je l'ai tué avant qu'il se passe quoi que ce soit. Bah c'est quoi, là? J'ai trouvé un... Il a essayé de se greffer, mais je l'ai planté avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ouais, ouais. Vous notez qu'il y a énormément de différence avec Joe, c'est que déjà il est pas aveugle et qu'il a toujours le contrôle de ses jambes. Ouais. Il a juste les griffures sur le visage. Il y a un œuf, il s'est ouvert, j'attendais que l'œuf s'ouvre et au moment où ça s'est ouvert, le truc qu'il a voulu se jeter sur moi, je l'ai planté. Il a à peine eu le temps de m'effleurer. Ok, bon. On y va et... Vous faites une cinquantaine de mètres dans un couloir complètement éclairé. Vous voyez que cette partie de la station fonctionne encore, comme la salle où vous étiez juste avant. Et vous entendez des coups de feu, des cris qui viennent de derrière vous. Et non, c'était sûr. Vous pouvez pas vous dire que c'est autre chose que les créatures qui sont rentrées dans la salle et qui ont tué tout le monde. Tant mieux. Mais pourquoi ils nous ont relâchés, ces tarés? On se voit, de toute façon, c'est
On a toujours la carte quand vous avez toujours la carte, ils vous ont même pas fouillé. Ils non, ont mais c'était une vingtaine, ils ont le temps de s'en occuper pendant un petit moment. Ouais. On peut se grouiller, ouais. Et on va au dernier étage. Que les tirs durent à peu près 10 minutes. Et pourtant, ils étaient 20 et armés. En 10 minutes, ils sont morts. Vous les entendez de loin, les tirs. On a eu de la chance, ils ont peut-être réduit l'effectif des ennemis. C'est possible. Qui vont réaugmenter du coup. On va passer les enjeux. Vous continuez et vous arrivez au mont de charge principal de la station, qui est le mont de charge central, qui mène tout en haut de la station. Mmh. Oh, ça va faire un boucan d'enfer. Ouais, mais en même temps, on n'a pas le choix de le prendre là. Vous n'avez aucune trace des ennemis, pas un seul cliquetis, pas un seul bruit effrayant. Ça en est même presque plus effrayant que la présence d'une créature, parce que là, vous savez pas si elles sont là. Et pourtant, vous n'avez aucune trace de leur présence. Bah tant mieux, on en profite. Montez dans le monte-charge, qui est dans un hangar. Et tout d'un coup, le monte-charge se bloque. Et vous êtes à deux étages de tout en haut. Vous regardez le plan sur un des ordinateurs. Le vaisseau est toujours là, intact et prêt à partir. Oh bordel, les gars, on est si proches. Il y a une échelle de service dans l'ascenseur, dans le monte-charge ? Non. Le monte-charge, en fait, il ne va pas jusqu'en haut. Il s'arrête, d'accord ? Et vous avez une cage d'escalier d'à peu près 50 marches par étage. Vous avez 100 marches à monter et vous arrivez à l'étage final. Là où vous avez le vaisseau. Bon, on va faire ça. Ouais. On y va. On sprint. Plus le temps, plus on reste à rien faire. Vous montez l'escalier qui est en métal. Vous entendez cling, cling, cling. Tout simplement parce que vous montez des marches en métal. Vous montez un étage et vous entendez... Ok, là, il faut courir. D'en bas ça vient d'où ? D'en bas. On continue de monter alors. Il faut qu'on monte. Et là, on monte vite. Vous montez. Il n'y a pas moyen de monter en étant en discret, quoi. Ouais, on n'a pas le choix, on court du coup maintenant. Vous montez en courant et vous entendez le même cri que tout à l'heure. Et vous en entendez 2, 3, 4, 5 qui montent avec des bruits de métal qui se déchirent sous leurs griffes. Vous arrivez à une porte qui est fermée, qui s'ouvre avec ton outil. Ouais. Le gros outil qui t'ont pas enlevé. Par contre, ton multi-outil, ils te l'ont enlevé. Ouais. Oh merde. Donc, tu me fais un jet pour savoir si tu ouvres la porte. 63. Tu mets ta clé. Tu ouvres la porte. Et elle ne s'ouvre pas en entier. Elle est entrouverte. Vous passez tous les trois. Et celui qui ferme la marche, qui normalement est Charles, oui. Vous entendez un « Ah !» Tu viens de te faire lacérer le dos par une griffe. Et vous voyez qu'il y a une des créatures qui n'arrive pas à passer parce qu'elle est trop large pour l'ouverture et qui en fait passe le bras avec ses longs doigts et qui t'a juste entaillé le dos. Ce n'est pas mortel, mais ça te fait excessivement mal. Oh bordel ! Jette-lui un extincteur, vas-y, vas-y. Bah, je tâche de ça. Tu jettes l'extincteur assez fort, il explose et tu vois que la première créature se prend le souffle et t'entends le... En fait, juste le souffle, tu l'as jeté assez près, ça lui brise la nuque. Et elle tombe au sol. Et vous voyez quelque chose de terrifiant. Vous voyez les créatures derrière qui plantent leurs griffes dans leur congénère mort, qui le traînent dans le noir de la cage d'ascenseur, et qui commencent à ouvrir les portes. Et vous en voyez un qui est plus gros, qui fait 4 mètres, qui a, au lieu d'être fin, il est musclé, il est sculpté, et il commence à déchirer la porte en métal blindé. On continue de courir, on se casse. Vous courez. On peut refermer les portes derrière nous s'il y a. Il n'y a plus de porte. C'est une passerelle. Vous rentrez dans une salle et vous voyez qu'en fait le vaisseau, il y a une passerelle dans l'espace. Il faut vous mettre les combis. Oh non. J'ai jamais mis ça moi. Il y a un sas là ou pas ? Il y a un sas. Pour les retarder quand même. Il y a un sas. On va rentrer dans le sas, on met les combis et. Je pense qu'on met les combis une fois dans le sas. Vous fermez la porte et vous voyez que le gros qui sort de la porte, qui a réussi à déchirer, il s'arrête devant la grille. Ils te regardent, tous, ils vous regardent tous en fait. Et ils s'arrêtent sur Mike. Et tu vois, ça n'a pas vraiment d'expression faciale et t'as l'impression qu'il sourit quand il te regarde. Comme s'il sentait quelque chose. Soit dans ta tête, tu te dis, en fait, il veut juste me tuer en priorité. C'est un animal, c'est possible.
mais tu te poses pas d'autres questions. Vous mettez les combinaisons, vous sortez dans l'espace, et vous voyez qu'il déchire le sas derrière vous. Vous courez à une vitesse de 3 km/h, même pas. Vous êtes en apesanteur. Vous courez sur la plateforme, vous arrivez dans le vaisseau, et vous détachez le vaisseau. Vous voyez les créatures qui sautent dans l'espace pour essayer de vous attraper. Vous n'entendez pas de bruit, vous démarrez le moteur, et vous vous dites que vous êtes sauvé. Ça fait maintenant 2 jours que vous êtes parti de la station, et John, tu regardes Mike, et vous voyez que Mike commence à avoir les yeux blancs. Et quand vous allez dans le sas de pilotage, vous entendez... Et c'est comme ça que se termine l'initiative sur Alien. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais. Le dessert. Je me tâtais à me foutre en l'air avant qu'on reparte. Mais je me disais, ça aurait pas été RP vis-à-vis de mon propre perso. Et vraiment, ça avait tenu qu'à moi, il serait foutu en l'air, le petit Mike. Tu n'avais aucun symptôme. Non, mais c'était sûr que j'étais infecté. Je m'en doutais. Ouais, c'est sûr. Tout simplement parce qu'en fait, il t'a pas attrapé en entier. Tu as avalé quand même l'embryon. Mmh. Mais vu qu'il a pas injecté les hormones qui vont avec, il s'est déclenché beaucoup plus tard que Joe. Yes. Donc, tu n'avais aucun symptôme. Et bah malheureusement, c'était sûr. Ça vous tuera soit le chestbuster, soit la créature qui est dans le vaisseau. Ouais, dans tous les cas, même si j'étais pas venu avec eux, ils étaient morts. Au début, je me disais, je vais barrer en courant dans le vaisseau avec mon sifflet. En faisant tchut. Non, sifflet, tu n'as pas utilisé, malheureusement, mais c'est tant pis, c'est pas grave. Parce que dans le RP, j'avais aucune raison, mais je me disais, hors RP, peut-être ça servait à. Ils aiment pas les sons aigus, j'en sais rien. Alors, si tu avais utilisé le sifflet. T'aurais pu le donner au taré en fait. Et quand il t'a jeté dans le truc, il allait s'amuser avec. Et au bout d'un moment, en fait, il allait attirer tellement de bestioles qu'ils auraient fait péter les portes, mais en plus vite. Okay. Du coup, en fait. On serait mort. Voilà. Nous. C'est ça. En fait, okay. C'était un objet maudit presque dans le sifflet parce que si tu l'utilisais, c'était mort. Ouais, si tu sifflais, c'était de la merde en fait. Voilà. Okay. C'est ça. Heureusement que j'ai eu la bonne idée de ne pas m'en servir. Exactement. Ouais. Tout à fait. J'ai fait exprès de te mettre. J'ai aucune raison de m'en servir pour l'instant. Un objet un peu traître, tu vois, parce que je me suis dit, bon, s'ils arrivent à esquiver les créatures, les aliens à chaque fois, s'il fait une connerie avec son sifflet, au moins il y en a un qui va mourir. Mais... Techniquement, on peut survivre dans le vaisseau. J'ai encore mon extincteur, donc on peut one-shot la créature et vous pouvez me tuer avant que je me transforme. Alors, ça se négocie. L'extincteur one-shot les créatures, alors, on rappelle. Non. En fait, c'est juste qu'il l'a jeté et vu qu'elle était coincée dans la porte, il n'y avait que sa tête qui sortait et avec le souffle, ça lui a brisé la nuque. Tu jettes un extincteur dans la gueule de l'alien et ça lui fait rien du tout. Ah. Rien que les balles, ça lui fait rien. Dommage. Ça lui a brisé la nuque, c'est tout. C'est non close. Mais ouais. Voilà. Donc, c'est bon. Parce que dans Alien 2, il y en a bien qui crèvent des aliens. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ou des choses comme ça, des remontées ou non, peut-être non, c'était limpide. C'était très limpide. C'était très très cool, okay. Ma foi. Oui, c'était même translucide. Ouais, translucide. Ouais. Très très très. Ok. Bah tant mieux. Je vous laisse du coup dire peut-être vos secrets, même s'il y en a qui n'ont pas forcément été utilisés. Non, le mien, il n'a pas beaucoup servi, j'ai pas eu l'occasion d'en servir. Bah, en fait, les 3 secrets n'ont pas forcément été très utilisés, si ce n'est de la part d'Anto qui a une fois... Moi, très vite fait, ouais. Alors, moi, j'ai mentionné 2 fois vite fait au début, ouais. Mais c'est tout. Le problème, c'est que dans la situation, mon secret, par exemple, j'étais hypochondriaque. Enfin, dans la situation, t'as beau être hypochondriaque, je pense que l'être humain est fait pour s'adapter. Alors... Quand il y a du sang, des boyaux partout, qu'il y a des créatures dégueulasses qui te courent après, qu'il y a un truc qui va te sauter à la tête et qui est visqueux, tu dis pas je vais pas le toucher pour pas me salir. Tu alors, vois, je dis pas je vais choper la ch'touille. Du coup, je tenais à ce que ce soit toi qui te fasse infecter, tout simplement, vu que tu étais hypochondriaque dans ta tête, je voulais que tu fasses flipper tes collègues en disant je suis sûr que je suis infecté, je suis sûr que je suis infecté, alors qu'il y avait aucune raison, mais de tout le long. Et quand tu t'es fait infecter, bah, t'as rien dit. Ouais, du coup, tu t'es dit, ah, en fait, non, c'est bon. En fait, c'est comme si tu t'étais guéri de ton propre mal-être et au final, non. C'est le pire moment pour se guérir. Ouais, c'était pas le bon moment. Voilà. Non, mais parce que je me disais, si je laisse le moindre doute, je suis mort, en fait. Non, mais voilà. C'est foutu, je peux pas laisser prendre le moindre doute. Faut que je dise, non, c'est bon. Tout va bien. Non, mais ouais. Franchement, ils m'auraient tué. Incroyable. Honnêtement, ils m'auraient tué. En fait, pour Joe, c'est bizarre. En plus, c'est drôle parce que c'est lui qui voulait tuer Joe. Et c'est nous qui en voulait pas.
là je peux te dire que si il si a... moi ça avait terminé, si, ça, m'aurait tué si, avait, si là avec ce qu'on a vu avec Joe, s'il avait eu, si on savait, on était sûr qu'il avait eu ça, on l'aurait, moi je l'aurais flingué. Non mais les gars, tout va bien. J'aurais pris ma louche et j'aurais fait chier. On est passé d'un extrême à vouloir sauver le mec où on se doutait qu'il allait crever à celui où on va l'exploser. Ouais. Et toi, c'est Quentin du coup ? Moi, c'était compliqué à utiliser parce qu'il n'y avait aucune situation où je voyais où je pouvais le mettre. C'était, j'étais juste un alcoolique chronique qui fait que je cherchais de l'alcool, mais on était dans une zone où c'était, à part peut-être dans l'hôpital où il y avait des bouteilles d'alcool. En fait, je voulais qu'au bout d'un moment, tu cherches, genre par exemple, des désinfectants, des conneries du style. Juste pour essayer de boire un coup pour te déstresser. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé dans l'hôpital, c'est que on était tranquille d'un coup, bam, c'est arrivé. Ouais. Et c'était un scénar où ça bougeait beaucoup, on courait beaucoup. C'est le but. Mais justement, pour les secrets, il y avait moins le temps parce que ton perso, il est juste en mode survivre. Il a pas le temps de se concentrer sur le truc. En fait, c'est qu'on avait des petits secrets, pas des trucs de ouf, tu vois. Mais avec des trucs de ouf, en vrai, quand ta survie a pris au-dessus du reste, non, on aurait pu, genre, imaginons, y en a un d'entre nous, il fait partie du culte des mecs. J'ai hésité à mettre des gros secrets, mais vu que c'est mon premier, je me suis dit peut-être pas. Ouais, ça aurait complètement changé la partie si ça fait ça pour vous. Il y en avait un de vous qui devait être un agent de la Wayland Yutani, qui en gros est au courant de ce qui va se passer. Et qui fait tout pour tuer le maximum de personnes et en fait se barrer tout seul. Ça, c'était un des premiers secrets que je voulais mettre, mais c'était vraiment gros. Le deuxième, c'est que c'était le complotiste. Par contre, ça, oui, je voulais le garder parce que Wayland Yutani, dans les films, c'est vraiment la pire entreprise du monde. Ne travaille jamais pour eux. Et le troisième, j'avais pas d'idée. Donc, il fallait que je cherche un peu plus, mais c'est vrai que vu que la session, il n'y a que hier que j'avais décidé de mettre des secrets, j'ai mis des petits secrets. Non, c'était très bien comme ça. Mais je suis d'accord que vous n'avez pas eu forcément l'opportunité de les faire. Moi, en fait, j'étais un peu complotiste sur les bords dans le sens où moi, j'étais chef cristaux, donc je ne pouvais pas vraiment grimper les échelons plus que ce que j'étais en fait. Et mon perso, j'étais ultra stressé parce qu'en fait, ils voyaient les autres, genre mes commis, tu vois, ils montaient. En grade, par exemple, ou alors ils voyaient des gens qui étaient éclatés au sol monter en grade, et moi j'étais en mode oh, putain, moi je suis jamais promu, moi j'ai jamais d'augmentation, tu vois, et j'étais en mode ah, c'est un complot. Mais du coup, j'ai voulu te l'instaurer avec Mason, sauf que du coup, quand tu l'as croisé avec Mason, t'as dit ouais, celui-là c'est forcément ouais, mais j'ai complètement compris ce que tu voulais dire. J'étais en mode ok, d'accord, tu l'as mentionné deux fois, subtil, non, mais ça va, franchement, c'est cool. Bon, on va pas prendre plus de temps aux auditeurs. J'espère que cette session vous a plu, autant aux auditeurs qu'aux joueurs. C'était sympa. Très très cool. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, d'être resté jusqu'au bout. Alors, une petite dernière chose aussi, c'est qu'on ne le dit pas assez, et qu'il faudrait qu'on le dise plus souvent, même si on ne le dit pas, c'est que ça paraît bête, mais on est tout petit. Alors, pour les gens qui nous écoutent, ou même... juste pour cette série là, mais n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter, parce que ça va faire bientôt, ça fait plus d'un an que la chaîne existe, et on apprécie tout particulièrement avoir des retours, et on en a pas tant que ça, on en a pas assez pour pouvoir augmenter certaines choses qui pourraient vous embêter, c'est pas, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui vous plaît, on sait ce qui marche à peu près, mais pas assez pour moi. Donc n'hésitez pas à like, à commenter en bien ou en mal en fonction de ce que vous avez apprécié ou non, à vous abonner surtout si ça vous plaît, à donner des idées de, pourquoi pas, de scénarios sur notre Discord ou en commentaire aussi. Hein. Exactement. Il faut pas hésiter aussi à rejoindre le Discord, et surtout, je insiste, mais n'hésitez pas à commenter, à dire quelque chose. C'est plus important limite que l'abonnement. Pour moi, c'est en tout cas les retours. Donc, enfin, voilà. Bon. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. En finissant sur ça, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouveau initiative. Exactement. Et bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir.